to hoes. If you didn't, now you know. Never keep your pockets low. What up, c'est votre boy Jean Chilichil, la crème du rap québécois. Frédéric Chevalier. Freddy Gruesome, Peter Parker, Freddy Bruce, Bruce Banner, Bruce Willis, flip all the Bruces you want. You know what I mean? What's up? On start the battle, man. C'est imprévisible, man. Je peux arriver drôle, je peux arriver méchant. Tu peux faire des personals, tu peux rire de ta tronche, je sais pas que tu peux faire même. Je dirais que c'est déjanté, really don't give a fuck about anything, pis je sais pas, le gars qui s'amuse, qui déconne un peu, pis I don't know. Man. Freddy Gruesome, c'est quand même un gars qui est divertissant, assez drôle. Par contre, il a tendance à pas mal tout le temps faire la même affaire. Pis, tu sais, je veux dire, il y a des bonnes jokes qui piquent caca adolescentes, mais tu sais, moi j'arrive avec des bars pour adultes. So. Je sais pas, aller checker un battle de Smack URL, tout ça. Prenez comme un verse de n'importe qui, de A à Z, vous avez juste à le traduire. C'est ça le style de Chill Chill. J'ai l'impression que Freddy va faire ce que Freddy fait, ce qui est correct, ça va faire rire les gens pis tout. Moi je vais amener ça au next level, j'espère que les gens vont être prêts à me suivre. Puis c'est probablement ça qui va arriver, mais let's hope it's not a body bag, parce que j'aimerais mieux qu'il fasse bien pis qu'on ait un bon barreau en bout de ligne, t'sais. Je sais pas quoi te dire, t'sais, quand je suis rendu à 15-16 barreaux, comme... C'est rendu que maintenant, quand je me fais à ce que le monde dise dans les autres barreaux, je peux un peu m'attendre à de quoi on va parler, mais si je commence à penser, ok, peut-être qu'il va dire ça, j'aurais fait ça, en conséquence, je deviens fou. Il y a trop de choses à dire pour moi, on va pas se mentir. Et j'ai une vidéo avec un pénis d'en face, là, t'sais, il y a trop de choses à dire pour moi. Là, fuck tout le monde, man, let's go! Fuck all y'all. Yo, what's poppin'? C'est Filigrane, a.k.a. Filler Nooch. Word up, 10e édition. Word up! Word up! Tout le monde est chaud. On a vraiment hâte de voir ça. Fou battle going down. Quand je dis fou, vous dites battle. Fou battle going down. Ce battle est une présentation de notre main commanditaire pour le event, notre sponsor officiel, classique.ca, la boutique en ligne. Allez checker le magasin en ligne, il y a plein de gear. Gros shout-out à Yann, gros shout-out à Yoann. Puis yo, gros shout-out à tout le monde qui sont venus de Québec pour voir le battle à Montréal. Je vais le redire encore, juste parce que je suis tout excité, pause. Fou battle going down. À ma droite, Jean Chilly Chill! Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hey yo, depuis que ce gars-là il a perdu sa job, il arrête pas de fuck up mon newsfeed sur Facebook. À ma gauche, Freddy Gruesome! Vous m'entendez? Frédéric Chevalier, juste un message, j'ai perdu ma job à la ZKMD, fait que je vais pas me gêner de dire que c'est des crosseurs. Puis là, non, true story, leur truc qui est à vie, genre, apparemment, leur assurance à vie, ça dure 5 ans. Don't go to LASIK, fuck them! Shots fired. Poursuite! Y'all getting sued! T'es à droite, pile ou face? Face. Et c'est face, tu commences ou il commence. Freddy Gruesome, c'est quand tu veux. Yo, j'écoute tes tracks en buvant une bonne bouteille de bière. À chaque linge, je suis psych! Jamais j'écouterai cette merde! Boy, j'aimerais que t'aies une blonde enceinte pour la pousser en bas des escaliers. Après, je t'envoie une carte avec ma vieille jolle dessus comme ça, qui dit « Surprise, t'auras pas de bébé cette année! » Maintenant, ta bitch me hate, mais elle trouve mon penis so great. Quand je la choke avec, donc elle fait le cannabis face. Concept,
Je suis le même rappeur que back in the day. Ce rapper est fake. J'amène le drama avec un K. Brrrratatatat. Un million de trous de balles. T'as dit à Yes McCann que t'aimais pas les lignes longues? Too bad. Oh, c'est quoi? T'aimes pas les lignes trop longues? Bouge pas. Je t'amène à la ronde et je te force à faire la ligne du monstre 12 fois. Yeah. Check comment Freddy opère quand il fait l'hélicoptère avec son pénis trop fier. Tu vois, c'est le plus grand génie qu'on mère. Fuck that! Je saute d'un hélicoptère avec des pistes de l'hélice, j'atterris sur tes tripes, je détruis tes disques lombaires! J'avoue que mon shit est redondant comme du caca à chier. Mais peu importe ce que tu fais contre moi, boy, ça va pas marcher. Parce que, check! Non, c'est pas un joke, ça va pas marcher. Fais pas le balafré ou je laisse ta face maganer. Puis juste de même en passant, c'est mes sales maganiers! Tu l'as dit toi-même, oublie le pas. Après le barreau, t'as dit, juste pour ça, j'ai gagné. Fait que donc, remercie la tarte. Yo. Moi, on se souvient de moi pour quelques punches, mes blagues et mes flips comme Jaden Smith. Toi, on se souvient de toi à cause d'une fucking tarte, Jason Biggs. Yo, Colt McCann, t'as dit les anglicismes? Sérieux, je comprends rien. Est-ce que t'es con pour vrai? Chili Chill, c'est un fucking nom anglais. Putain, un 4-4? Tiens-moi-tu? T'es pas un rappeur, c'est le fils de pute. T'es qu'un rouac avec la moustache d'un acteur de film de cul. Juste pour ça, j'aimerais que t'ailles au paradis trop vite. Qu'on te force à bouffer la chatte sale à Anna Nicole Smith. Et Marilyn Monroe, comme c'était deux fucking salopes, pis que Freddie Mercury et Eazy-E te violent sans capote. Gruesome. Time! Let's go, Jeune Chili Chill. Hey yo, c'est Jeune Chili Chill. C'est moi la crème ici. J'ai pas juste une moustache de porn star. J'ai la graine aussi. Souhaite qu'un jour, tu te rendes en France juste pour faire une tournée. Que t'arrives là, que tu disparaisses puis qu'on puisse jamais te retrouver. J'étais censé battle 5 sous, mais disons que le type, il ménage ses transports. Surtout depuis que lui pis l'unique, ils se partagent un passeport. Fait qu'à la place, on m'a donné Fred pis son gros nez. Si je passe 3 rounds à le traiter de coquet, soyez pas trop étonnés. Parce que quand tu t'es pogné l'autre transsexe, je suis sûr qu'elle t'a boqué fort. Puis avoir une mâchoire de coquet avec tes dents, ça doit être fucké rare. Si je dis que ta face est comme mes vers, c'est parce que mes verses sont drôles. T'es le seul rappeur pour qui les jokes de mère deviennent des personals. Genre, je suis sûr que la mère à Saint-Sou, elle lui donnait le Saint-Soul. Tu vas vivre dans la misère, les gros, puis on dirait que t'aimes ça. La différence entre toi, pis, moi et ta mère, shit, les deux, on t'aime pas. OK, j'ai assez gaspillé sur lui. Faut penser écologie. J'ai déjà mis 5 sous dans une boîte. J'ai fait mes économies. Ah oui, Freddy. En parlant de la France, comment ça se fait que t'as pas encore été au RC? Ça, c'est la question qui me démange. J'ai un mandat. Je veux dire, les Français, ils t'aiment, ils comprennent. J'avoue, c'est étrange. Puis t'as tellement liché de Denis que t'en as un cheveu sur la langue. C'est quoi? Tes papiers sont pas en règle? Si t'en as pas, on s'en fout. T'as juste à demander au gars de Québec pour le passeport à 5 sous. Mais là, il est full énervé. Denis lui a promis un sac cadeau. Je peux dire les pires grossièretés. Toi, tu spites des sacs d'ado. Conduite en ébriété, je me suis mis le sac à dos. Tu veux même pas deviner qu'est-ce que j'ai mis dans le sac à dos. Si ce gars-là voulait me battle, c'est parce que c'est mon plus gros fan. Rien à voir avec M&M, mais t'es mon plus gros stan. Quand tu sniffais avec 5 sous, tu voulais les plus gros grammes, puis tu sortais avec Baby Lou parce que c'est la plus grosse panne. Ma graine s'élève, au-dessus de ses lèvres, j'écoule ma sève, une main sur sa boule. Je pense que tu négliges ta bitch. J'ouvre mes lèvres, ton âme s'élève, la foule célèbre, tout le monde perd la boule, comme dans une église baptiste.
Vous voulez savoir comment il prépare ses battles? C'est toujours la même recette. Il fait pas ses recherches, puis il fume juste des gros spliffs en se disant que de toute manière, le gars risque d'être bien meilleur s'il fait juste y aller au pif. That's my line. Time! Round 2! It's on! On se réchauffe. On se réchauffe. Freddy Gruss, crazy ass, Gary Buse, je viens chez vous, je viens pis je fous ta mort fucking tête dans le four. Ah, pis fuck that, j'en ai rien à battre de cette vieille bouse. Je vais chez tes parents me branler en les regardant faire l'amour. Rien à foutre, rien à foutre. Fuck toi et tes fucking punch de boîte. Fuck Ryan Reynolds pis son film à chier qui se passe dans une boîte. Toi, quand tu rappes, tu bites, puis tu fais des punches de boîte. Moi, je fais tout trembler comme Symphonique qui fait des jumping jacks. Fat motherfucker. En tout cas, yo. J'étais supposé le battle au Word Up 9, mais j'étais pas vraiment prêt. Philippe me disait, le gars, il est nice, il fait des clashs vraiment fresh. Il retraduit mot pour mot les patterns des clashers américains, puis j'ai dit, non, oublie ça, dude, je rebattle pas, yes, we can. Je l'aime bien, McCann. Je suis juste pisse parce qu'il m'a dit que Micha m'aime pas. Puis l'enfoiré a pas voulu passer l'Halloween avec moi. Mais revenons à ça, Wigger. T'aimes tellement les blacks, t'es inarrêtable. Ta bouche a touché plus d'hommes noirs que le sida et le crack. Dog! Être un Wigger à ce point... Être Wigger à ce point-là, pour moi, ça, c'est un epic fail. I mean, un petit fils de riche chétif qui bouge comme une vraie femelle. 9 mm dans ta bouche, puis je parle pas de la graine à snail. Boy! Boy! Hey, c'est ça, Lane. Mais pourquoi t'es le seul homme dans la place qui connaît la longueur de la graine à snail? C'est-tu parce que tu donnes des têtes aux blacks, fait que tu veux la migraine à snail? Ou c'est parce que t'aimes tellement les graines blacks que tu veux être la mère à Snell? Non, dans le fond, je connais ton genre. Quand y a pas de blacks autour, tu deviens sûrement très raciste. Tu sais, genre comme Cédric, t'aimes juste les blacks quand c'est pratique. C'est pour ça que t'as la face d'un néo-nazi. Mais ça, c'est mon avis. Oli, Wojtek, Cédric et toi, vous êtes meilleurs amis. Fait que je serais même pas surpris d'entendre des lines racistes sur moi. Matter of fact, enlève ton costume, Jamaï, je sais que c'est toi! Fait que, joue pas les hardcore, hipster, Tadjol me dit que t'arbores des t-shirts qui disent I love Adolf Hitler. Parce que, t'es un wigger, avec tes amis blacks, t'es un nigger, mais dès qu'il y a des cops, t'es comme, hey, je les connais pas. Yo, c'est vraiment cute ce que t'as dit sur Babylou. Vraiment cute, genre. Je parie que tu vas aller t'excuser auprès d'elle comme une petite hoe, puis que tu vas demander à Filigrane de manu militariser le vidéo. And she can whoop your ass. Time! tu devrais pas faire des jokes raciales. Pour de vrai, méfie-toi. Puis anyway, je suis-tu un nazi ou un wigger? Le gros, décide-toi. Parce que depuis tantôt, il me traite de wigger, mais pourtant, c'est bien le contraire. Je voudrais vraiment pas ça être noir, parce qu'il faudrait que tu sois mon frère. Shout-out au Word Up, ça, c'est une chose que j'ai à dire. Pour vrai, c'est rendu fucked up parce qu'on sent le rap revivre. Mais comment ça qu'ici, le rapper le plus gangster dans les choses qu'il oserait dire, c'est un roublard à lunettes qui pèse même pas 130 livres? For real! Vos shits sont soft. Là, vous allez me dire que c'est pas grave, puis que toutes les histoires de tough pour vous, c'est juste des salades. Je veux dire, les gars, ils se donnent du love après le battle des accolades, mais je me rappelle une époque au Word Up où les gars, ils se faisaient stab! Mais j'avoue que mentir dans ces battle rap, ça c'est assez wack, c'est clair. Mais j'ai spit des gun bars contre mon dernier adversaire, puis vous m'avez laissé faire.
Fait que checker comment m'en calisse. Vous êtes mieux d'appeler la police. Je pogne le AK, je rentre dans le tas comme le gars au Métropolis. Si je porte juste une de mes straps, ça c'est une hausse courte, ça le pète. Je suis une lesbienne. Je viens strap, ça me fait rire que le magnum pète. Si je rentre trop dans sa bulle, c'est garanti que le patinet choke. J'ai apporté le silencieux pour qu'on puisse jouer à patate chaude. Lance roquette, lance flamme, m'a te montré à quoi ça sert. Mes guns comme ton pénis, c'est parce qu'ils lancent des lasers. T'es pas encore à l'hôpital? Yeah, je suis peut-être trop bretteux. Je parle pas de threesome anal quand j'en mets deux dans le péteux. Pas de détecteur de métal, gros, je suis armé en tabarnak. Je shoot trois guns en même temps, on dirait que je fais le tabarnak. Shoot Zeph, shoot Philly, shoot le crowd avec du mace, shoot ton hype man dans sa face pour qu'il ressemble à Poker Face. Je suis suspecté, le gars d'à côté, même si je sais même pas c'est qui. Si le battle était jugé, ben j'aurais shot les juges aussi. T'appelles le pistolet Prince quand tu rentres dans ton palais. Non, pour vrai, c'est des menteries. J'ai jamais tiré un gun de ma vie, excepté une fois au chalet. Parce que moi qui pogne un gun, c'est plus rare que voir les gars du casse-croûte avec des filles. Puis presque aussi crédible que les histoires où tu tortures ma famille. On sera jamais des rivaux, on sera jamais des égaux. Tu pètes des jokes de mère premier degré, j'ai des gun bars second niveau. Sauf pour chaque violeur de mère, j'ai un gun imaginaire. Après, un créatif, puis moi, je lâche le revolver, motherfucker. Time! Dernier round, troisième round. Freddy, boy, quand tu veux. Boy, my flow's the best. Je wreck n'importe quel battler. Joe le Zeph. Si je me forçais un tout petit peu, je démolirais. Oh, bien le chef. And he knows that shit. Puis ceux qui veulent me voir perdre, allez vous faire foutre par René Angélil. Cabin in the Woods. Le monde entier finit par crever dans mes films. Pis toi, fuck tes guns invisibles. Yo, je suis jeune, chili chill, je sors le 9 mm. T'as pas de gun, chili, chill. T'es un menteur, un vieux zéro. Si tu me tirais dessus, la force de recul de tes gros flingues qui go bang disloquerait tes deux épaules. But real talk, moi aussi, t'sais, j'amène des guns. J'ai pas de guns dans la vraie vie, pis en classe, j'en amène aussi. Mais dog, j'amène des sables, du pipi, fait en glace, des Uzi, des fucking rouleaux compresseurs qui tirent des paquets de missiles, parce que tant qu'à amener des armes invisibles, je vais être créatif at least. C'est facile de lever la foule avec des punches plus soft que Hello Kitty quand tu réutilises tout ce qui a déjà marché à KOTD. Oh! Les punches de boîte and all that shit. I mean, dog, c'est pour ça que je ris de toi et non avec toi, Malik Shahid. Parce que tu fais juste... Yo! Tu fais juste copier-coller les shit américains! Loud and Larry! Mais t'inquiète! Je sais très bien c'est quoi la différence entre straight-up copier quelque chose puis juste faire des références. Mais c'était censé quand tu fais juste reprendre des trucs tellement pas connus par ces incultes qui croient que tu les as inventés! That's wrong. Donc, pour faire des recherches sur moi, tu peux checker mes battles dans les Word Up et les autres ligues de Clash. Toi, t'as tellement de lignes volées pour des recherches sur toi, je devais checker KOTD pis Smack. Juste pour ça, je te trouve crissement poche comme les pantalons de Jésus. S'il fallait que je cite toutes les lignes que t'as dit, j'aurais des rounds de 30 minutes. True story, ça me rappelle justement. Vous vous souvenez, Jay-Z contre 50 Cent. Les vrais s'en souviennent tous. Jay-Z a dit « I'm about a dollar, what the fuck is a 50 cent? » True? Lui, contre Semi-Sime, il a repris la même line comme une vraie bouse. Il a dit « Je suis à propos d'un billet de 100, j'en ai rien à foutre d'un 5 sous. » C'est la même crise d'affaires. Fuck cette bitch-ass bitch. True story. So fuck cette bitch-ass bitch. Fuck ces lignes traduites. Fuck tes textes. Fuck ta fraise. T'as l'air sidatique. Puis fuck ton arsenal de guns dans les bois. Je mets des femmes dans mon lit, tu mets des hommes dans les boîtes. Time! Uh-oh.
vais faire le troisième verse avant, après ça, on verra pour le OT. Quand tu veux. OK. Mm. Si je fais pas de gros personals qui fessent, c'est pas pour pas peiner sa blonde. J'aurais pu faire mes recherches, checker ses clashs, mais ça aurait été la chose la plus pénible au monde. T'as beau avoir battu des MC no-name dans les ligues de région X, j'ai vraiment d'autres choses à voir. Mais tu t'es fait mettre KO par Moralo, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'écoute ton clash contre Moralo en prenant des tokes de pipe à crack. Puis à chacun de tes chokes, je suis comme wouh! C'est-tu que Freddy est wack? T'es pas le top tier du Word Up, t'es plus du genre mascotte. T'as eu la chienne contre Yes McCann, tu dois être soft as fuck. So you wanna fuck with me? Dog, t'as besoin d'une bonne armée. Tu veux du beef avec Chili, ça fait que je te sers ce con carné. Ce que je veux dire, c'est que du beef, Chili, sers ça vite. Bouge, t'es un piment, j'ai l'ingrédient pour faire virer ta fève rouge. Ton rap, c'est du pré-cuit rempli de filler avec des jokes. Avec Chili, c'est texan authentique. Juste de la viande pis rien d'autre. Hé, hey, là, pas vite, ça te prend-tu des sous-titres? J'ai dit avec Chili, ses textes sont authentiques, juste de la viande pis rien d'autre. Tu devrais te jet à Québec pour suivre des cours d'origami. Là, t'es faite parce que je te pète devant tous tes petits amis. Ta bite, tu dis que j'ai une belle poche pis une longue queue. Marsupilami. Dude, ça fait schtroumpfer pour cette pensée Gargamel, mais fuck that, je vois juste une grosse chatte. Azrael, tu veux que j'élabore? Tu veux que j'élabore? Je suis l'ange de la mort. Azrael, t'es ma victime, je te palestine, je suis Israël. Je pide la dynamite, les insultes pleuvent sur lui. Je suis pas mal slim, mais ça suffit. T'es dans shit si le monde s'unit. J'ai dit, je suis pas muslim, mais ça suffit. T'es dans shit si le monde s'unit. Ça n'a rien à voir avec les juifs, mais ce gars-là, il est assez gay. Il va juste défiler puis marcher s'il y a assez de fif. Mais là, ce qui est naze dans ses parades, toujours acidique. Get it? Askenaz, séfarade, acidique. À tous ces soi-disant rappeurs conscients, les Yes McCann qui aiment se faire à la gueule, c'est de même tu drop du knowledge dans un battle. Avant de finir, une chose à dire. You know how we do shit. Je mets Fred Caillou dans une boîte. Yabba-dabba-doo, bitch. Time! Faites du bruit pour les deux MCs! Je pense que t'as gagné, pour vrai. Là. Je sais pas. Post-battle interview. Jean Chili Chill. Freddy Gruesome. What's up? Yes McCann, Dead Obese. On va commencer à ma gauche. GCC. Yeah. Comment on feel après sortir d'un battle comme ça? Yo, la petite bière, elle fait du bien. Ça, yo, c'est tellement de stress là, avant d'embarquer là, comme... Là, ça fait du bien. Là. Oh, yeah? 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 Là, ça va bien, man. Comment s'est passé le battle? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Est-ce qu'il y avait des trucs imprévus? De mon bord, j'ai fait pas mal ce que j'avais à faire. Mm-hmm. J'ai eu une ou deux petites lignes que j'ai eu à comme changer à la dernière minute puisque je nommais du monde puis le monde n'était pas là, fait qu'il fallait que je trouve d'autres noms. Fait que là, j'étais un petit peu stressé là-dessus. Je pense pas que ça a paru. Je pense que vous vous rendrez même pas compte aussi que j'ai changé les affaires à la dernière minute. So it's all good. J'ai fait deux flips, ce que je m'attendais plus ou moins à faire parce que je suis pas vrai. Yo, je sais pas, freestyle, mais. Freestyle, yo, ben en fait, tout le monde ils le savent pas, mais je suis capable de freestyle. C'est juste que, tu sais, je plombe pas mes talents, you know, je garde ça pour moi. Mais. T'es un vrai rapper, là? Yo, I've done been a vrai rapper, man. T'es même pas né, tu es un vrai rapper, dude. Je suis pas encore né, boy. Ah, ok. Ben non, mais c'est, ça a bien été, puis Freddy, il m'a surpris dans le sens que. Il a fait des trucs que je m'attendais à ce qu'il fasse. Il a fait pas mal de trucs que je m'attendais pas à ce qu'il fasse. Puis il y a aussi des trucs que je pensais qu'il allait faire qu'il a pas fait. So, j'étais un petit peu comme. C'est un bon battle, je pense. Gruesome, comment ça s'est passé pour toi, ton expérience on stage? Ça s'est bien passé, un battle sobre. C'est un bon feeling. C'est une première ou non? Moi, je dirais complètement sobre. Ouais, j'ai déjà été sobre, mais c'est une petite bière, comme c'est rien. Mais là, j'étais vraiment complètement sobre. Okay. J'avais bu une bière mais vraiment plus tôt. Mais ça s'est bien passé, ouais. Chill m'a surpris comme d'habitude. C'est quoi la doux?
C'est comme, mais ouais, c'est enfoiré, mais il est très bon. Puis, c'est un bon battle, mais je suis satisfait de certaines passes. Il y a quelques trucs que je changerais, genre, parce que des fois on se dit, comme on s'attend à des jokes de ma part, fait que quand je commence à être plus sérieux, c'est comme le monde, c'est quand qui perd des mères, là, tu sais. C'est quand qui va se mettre à... C'est vrai, t'as pas parlé une fois de ma mère, hein? Non, j'ai juste fait une affaire qui me dénigre, moi, quand tu sais, je dis que je me brûle en regardant tes parents. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, ouais, c'était là. Ça, c'est l'affaire aussi, comme. Tu sais, moi je suis quand même un fan de ce que Freddy fait, mais dans ma tête je me dis ah, c'est pas le battle rapper le plus dangereux qu'il y a ou whatever. Mais la face, c'est quand t'arrives en face de lui là, c'est un funny motherfucker. Puis moi j'essaie de garder un straight face, d'avoir l'air comme tu sais, comme yo, je m'en viens ici pour te tuer. Après deux lines, j'étais crampé de rire, j'étais comme yo, le gars il est con, man, tu sais. Fait que c'est ça, c'est yo, c'est, ça a l'air de rien, mais c'est pas facile battle ce motherfucker là, man. C'est un malade, man. C'est un malade. Puis même chose, man, fuck. Moi, je suis un fan de Chili, surtout depuis contre Semisim. Je ne pense pas que Semisim a gagné, mais you know. Fallait-tu le dire, c'est pas le choix de le dire. Exactement. J'avais pensé le dire moi-même, mais j'étais comme, non. Tout le monde le dit tout le temps, mais c'est correct, man. Non, mais tu sais, c'est comme. Et, lui, il a rappé, puis t'es venu, tu l'as out-punch. C'est comme. T'es ouais. Venu, t'as stylé sur lui, t'as out-punch. Comme... J'ai pas le choix de faire ça un peu parce que je suis pas le gars le plus technique dans la place non plus. Fait qu'il faut que j'amène d'autres forces pour l'humour, les punch, les personals, whatever. Faut connaître ses forces. Vous avez parlé pas mal de Yes McCann, je sais pas comment vous feelez about Yes McCann, qu'est-ce que tu penses avec ça? Il y a au moins une personne ici qui l'a déjà battu. C'est une autre qui l'a trop sous-estimé. Il a peut-être perdu, mais peut-être pas un body bag comme ça. Mais sinon, comme real talk, je l'ai insulté une fois, mais les autres fois, je disais, c'était juste pour référencer le battle. Tu sais, genre, yo, contre McCann, t'as dit ça. Mm-hmm. C'était plus ça. C'est le fait que j'ai dit ton nom souvent. Genre. Moi, j'avais besoin d'un scapegoat pour les rappeurs conscients, puis vu que lui, contre moi, dans le dernier battle, il avait joué un peu de knowledge type shit, ben, ça prenait un scapegoat, ça a été lui le scapegoat, même. Fait que désolé, mais c'est. Mais c'était cute, tout ton Moyen-Orient. C'était cute. Je vais essayer de faire des. Mais on va terminer l'entrevue dans pas long. Oh, oublié le chef, il a quand même bien pris le petit chance fire. Ben oui, on s'attendait pas à ce qu'il prenne bien comme ça en plus, comme d'habitude. C'est pour ça que j'allais me faire tirer, moi. Non. Je me disais, I'm proud of you. Watch your back, boy. Il m'a encore, rien dit sur l'affaire de Tupac hologramme. Il n'a pas compris. Mais Larry, on parle là d'avoir bien pris ma langue. Je sais pas s'ils l'ont entendu ou pas, mais comme c'est vraiment comme. Ils ont peut-être pris une coupe de line, la tienne, je sais pas. Je sais pas. Je suis plus surpris que OBA ait bien pris la ligne et pas l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est lui que je pensais qu'il allait me tirer dessus après le chill. Word. Le battle promo sans juge, est-ce que vous trouvez que ça a changé? Personnellement, je trouve que ça a changé le climat de l'événement. Au niveau surtout d'être avec les artistes, peut-être. Est-ce que vous trouvez que ça a changé les performances? Est-ce que vous trouvez que ça a eu des incidences? Est-ce que ça a influencé le climat de la soirée? Moi, je trouve que ça améliore les performances. Parce qu'il y a des trucs que... Parce que tu veux faire plaisir aux juges quand c'est jugé, et puis des fois tu... Il y a le crowd aussi. Au crowd, ouais, tu veux faire rire le crowd, tu veux faire plaisir aux juges. Fait qu'il y a des choses que tu dis, je suis sûr que ça c'est bon, mais je pense pas que le crowd va l'aimer, fait que je vais te mettre ça de côté. Tu sais, tu manques de confiance en toi-même. Alors ça, c'est moi personnellement, comme, je m'en fous s'il y a des juges. Tous mes battles sont des promo battles. Dans un sens, tu sais, comme des fois je perds mal, puis il y a du monde qui me disent, yo, je te trouve drôle quand tu fais des motherfuckers, whatever. Je suis comme, the fuck are you talking about? Vraiment pas de ce battle-là, je vais avoir des cauchemars, tu sais. C'est comme. Puis, I don't know, je suis le personnage, I guess, puis. Les promo battles, comme j'ai vraiment été comme je voulais me perdre dans mon personnage. Je l'ai peut-être pas assez fait à certaines parties, mais comme j'ai dit des trucs que j'aurais peut-être pas dit dans un battle, que je sais que c'est des risques choqués. Mais tu sais, c'est comme les lines que tu me disais qui étaient cute sur le Moyen-Orient. Ça, c'est exactement le genre de line que dans un battle jugé, j'aurais pas fait parce que je me serais dit, ah yo, personne va les catcher ou whatever, fait que j'aurais skip ça, tu sais. Mais là, je les ai dit là, puis non seulement j'ai bien fait de les dire, mais comme il y a eu plus de monde que je pensais qui ont fait comme ah, oh, ok, I get it. Ouais. Fait que c'est ça, il faut pas se. Justement, quand tu parlais dans notre battle d'élever le niveau de knowledge ou whatever, les promo battles ils permettent ça à fond parce que tu y vas comme don't give, je vais faire le mieux que je peux, puis le monde après ça, ils iront comprendre nos bars s'ils ont besoin, tu sais. Si besoin de Google, prends Google, man, sort de, man, c'est là pour ça. Un battle non promo, j'aurais jamais fait un troisième verse comme ça dans un battle du jour. Je me serais dit non, j'aurais plus de jokes de merde, whatever. You know, make the kids happy. Yeah. It's all about the kids. But the kids were happy quand même, tu sais, je veux dire, il y avait en masse assez d'humour, puis il y avait en masse assez de. Tu sais, je pense qu'on a bien performé les deux, sauf en bout de ligne, le monde sont contents, je pense. Avant de quitter, vous avez droit à un shout-out
ou un fuck you, chacun. Juste un des deux? Vous pouvez faire je fais un les deux, un. Chacun. Un shout-out, un fuck you. Ok. Juste avant, c'est quoi ta marque de lunettes? Celle-ci, c'est des Morel, c'est pas des Casals. C'est un les nouveau autres, modèle. Ouais, c'est un nouveau modèle. Shout-out. Thank you, mon man. Ça peut faire des jokes de lunettes. Non, non, ben tu sais, je me disais peut-être, mais en même temps, tout le monde fait des jokes de lunettes, sur un moment donné. Je voulais même pas aller sur les roues, non. T'es fait opérer ou. Hein? Ah non, moi, t'as pas de lunettes, hein, c'est des parfaits yeux. Fuck lazy. Ça, c'est mon fuck you. Ça, c'est ton fuck you, c'est quoi ton shout-out? Tu sais qu'ils ont ruiné mon career, tu sais. Mon shout-out, Kevin Larry. Grâce à eux, j'ai des vêtements gratuits, man. I'm fucking broke. I need a job. I'm broke, nigga. Shout out to Curtin Larry, fuck Magic MD. What's up? Shout out à NSD, à Click. Prépare un nouveau projet. On va être au Balatou le 23 septembre avec des tracks. Venez checker ça, c'est dans le cadre de non seulement Pop Montréal, mais aussi Nuit d'Afrique. Demandez-moi pas comment on a fait ça, mais we did it. Mon fuck you. Mon fuck you, c'est à toutes les hosties divas de rappers de merde qui ont peur de battle, motherfuckers. Bring your ass, word up on, je vous prends toute la gang, bitches! Oh, moi aussi! Mm. You'll see, man, come back to the stage, nigga! What's happening? Say yes, McCann! John Chili Chill! Freddy Groose! And we out, bitches!